Allô? La résidence du cardinal d'Amille. Hein? Ah non, monsieur, le cardinal n'est pas là. Il est en voyage à Rome pour affaires. Oui. Comment? Ah, c'est vous? Ah, mon cardinal, monseigneur, je ne vous avais pas reconnu. Ah, mais je confirme, vous n'êtes pas là. Non, vous êtes à Rome. Vous êtes encore là-bas. Ah, non, non, je ne suis pas Martha. C'est pour ça que vous ne m'avez pas reconnu. Je la remplace au pied levé. Elle a fait un malaise. Oui, c'est arrivé bêtement. Faut que je vous raconte. C'est le jour. Parce que c'est Monseigneur Léonard qui est venu me dire bonjour et il me regarde bizarrement. Et où Martha l'a fait un malaise. Ben le jour où ce qu'on a fait l'élection de votre nouveau patron, là. Je vais dire, allez, votre supérieur, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Le pape, c'est ça. Je ne revenais plus sur son nom. Oui. C'est-à-dire que Martha, oh, depuis que vous êtes là-bas, elle est branchée 24 heures sur 24 sur la télévision. Et quand il a eu la fumée, là, et qu'on a dit, il va y avoir un pape, elle était tout en affaires. Et quand ils ont dit, ouh, il va y avoir une surprise, c'est pas un qu'on attend, c'est un outsider. C'est pas un Italien. Et en plus, c'est sûrement quelqu'un qui a eu une aventure avec une femme. Elle est devenue toute blanche. Ah oui, elle s'est dit, ouh, faut vite que j'aille au coiffeur si les journalistes débarquent. Vous comprenez? Et c'est au coiffeur qu'elle a fait son malaise. Ah oui, parce qu'il y avait la TV au coiffeur. Et quand on a dit que c'était pas vous, elle a fait un cop. Mais sous le casque, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Vous comprenez? Elle est restée 3 heures comme ça sous le casque. Noël est en aideur au Verenbeek au Grand Brûlé. C'est pour ça. Je la remplace, je suis une de ses amies. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le dis au pluriel, ça m'étonnerait qu'elle en ait plusieurs. Vous savez qu'elle était intenable, hein? Intenable depuis que vous êtes là-bas. Hein? Ouh! Ah, elle pensait que ça allait être vous. Hein? Elle est venue boire du café à ma maison 2 jours avant. Hein? Oui, et moi je regarde Derek tous les après-midi, je le connais par cœur, je regarde Derek tous les après-midi, et on était en train de boire une tasse de café, j'avais coupé le seau, à un moment elle fait « Ouh ! Abémousse papam, abémousse papam !» Comment ça, abémousse papam ? Oui, elle dit « Regardez, la fumée blanche qui sort du tuyau !» Mais non, c'est Derek qui a pété son joint de culasse. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode, c'est le seul épisode où en voiture, il dépassait en fait 80 à l'heure. Le moteur n'avait pas l'habitude, et c'est bien fait dans le scénario, il pète son joint de culasse. C'est pour ça qu'elle était là, bémousse, papa. Ouais, cette fois-ci, c'est fait. Félicitations! Ça va être vite, hein, pour une fois. J'avais dit à Martha, ça ne va pas durer, parce qu'il ne fait pas beau. De toute façon, ils ne resteront pas, ils ne vont pas en profiter. Ça dit, je ne sais même pas si vous aviez l'occasion de sortir souvent. J'étais enfermé à clé dans ce machin-là, hein. Ah, oui, ça doit pas être agréable, hein. Hein? 115 vieux comme ça de plus de 70 ans. Enfermé toute la journée dans une pièce sans aération. Ça doit sentir le home, hein. Finalement, comme vous étiez entre vous, vous étiez en odeur de sainteté. En tout cas, on vous a bien vu à la TV. Hein? On vous a bien vu quand vous prêtez serment sur la Bible pour ne rien révéler du secret des débats et tout ça. Moi, je me suis dit à sa place d'être vexé. Hein? Ah, oui. Vous faire jurer silence, hein? Alors qu'en Belgique, on sait quand même bien depuis des années que quand il s'agit de se taire, on peut compter sur vous.
C'est vrai, hein? C'est pas comme l'autre, celui qui a été élu. Hein? Les gens ne sont jamais contents. Maintenant, on lui reproche, quand il était plus jeune, d'avoir dénoncé des prêtres. Je me suis dit que si ça avait été vous le pape, vous aurez reproché exactement l'inverse. Ils l'ont dit à la TV, ce sera un pape progressiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, pour les questions de l'homosexualité, la contraception, l'avortement, l'euthanasie. Il a dit, hein, il est pour la contraception chez les homosexuels. Et pour l'euthanasie en cas d'avortement. On sent qu'il est plus ouvert. Vous n'avez pas été déçu que c'était pas nous. Hein? La prochaine fois peut-être, hein? Monseigneur. La prochaine. Ah, faut pas perdre espoir, d'autant que celui-ci n'est pas tout jeune, hein? Ça va peut-être aller vite, moi, votre place en rentrant, je ne défais même pas ma valise. Peut-être que dans 4 ans, ce sera vous, hein? C'est une fois tous les 4 ans, plus ou moins, hein? Faut y croire, c'est comme Jean-Michel Seyf, ça fait combien de fois qu'il y va aux Jeux Olympiques, il ne revient jamais avec lui, hein? Il va quand même cette fois-ci, hein? Notez que Jean-Michel Seyf, à l'âge qu'il a maintenant, il aura plus de chances d'être pape que d'avoir une médaille, hein. Vous restez un petit peu ou vous revenez? Ah, quand est-ce que vous revenez? C'est pour savoir si je fais une machine de foncer. Ah ben, je vais attendre alors. À demain, monseigneur, mon cardinal. À demain. Nouveau pape blanc. Oh, il ne me revient pas, celui-là. Soi-disant un pape d'ouverture, rassembleur. Je veux une église pour les pauvres. Ouais, ça commence bien. Je me sens déjà exclu, hein. Ah, il veut une église pauvre pour les pauvres. Eh ben, ça m'arrange, puisqu'il veut une église pauvre pour les pauvres, à partir de maintenant, je ne donne plus rien à l'offrande. Un moment qu'on ne s'est pas vu. Écoute, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, je ne te mens pas, tu tombes mal. Regarde, on est en plein déménagement. Est-ce qu'on peut tomber plus mal qu'en plein... Enfin, ça dépend. Ça dépend. Je dis, tu tombes mal, on est en plein déménagement. Ça dépend. Si tu donnes un coup de main, tu tombes bien. Écoute, il y a une caisse pour tout le monde. On n'a qu'à commencer. Non, enfin, tu peux rester. Si tu veux, je te fais une tasse de café. Mais va savoir où est-ce que j'ai remis mon percolateur. Écoute, tu viens dans ce café, je vais chercher le percolateur, mais on n'a pas encore marqué les caisses, donc c'est embêtant. Mais je pense que je l'avais mis ici. Attends, j'en ai pas pour longtemps. Ah non, ça c'est mes panties. C'est des vieux panties que je ne mets plus, mais je les... Ah ben écoute, on a déjà trouvé les panties, donc si je trouve le percolateur et que je n'ai pas les filtres, on pourra se débrouiller. Ça donne du goût. Non, mais écoute, si je cherche, on en a pour une heure. Et ça, c'est Gérard. On a commencé à faire les caisses. J'avais dit, on va écrire dessus ce qu'on met dedans. Il me dit, non, on va perdre du temps, t'écris trop lentement, on le fera à la fin. Maintenant qu'on a fait tous les caisses, on va savoir ce qu'il a dedans. Ah oui, parce que impossible de retrouver la caisse où ce qu'il a mis les marqueurs. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je lui ai fait confiance, parce que, question marqueur indélébile, je le connais par cœur, c'est un vieux débile, alors... Écoute, avec Gérard, heureusement qu'on ne déménage pas souvent, sais-tu.
Déjà pour la camionnette, j'avais dit on va louer une camionnette, c'est pas pour ce que ça coûte maintenant, hein. Bon, un permis B, on peut quand même déjà transporter des choses. Ah mais pour ça, quand il s'agit de faire des économies de bout de chandelle, c'est le premier, hein. Oh non, j'ai un copain au club de whist, il a des véhicules utilitaires, il va nous en prêter, hein. Bon, je dis soit, je ne me renseigne pas sur le copain qui a des véhicules utilitaires. Il m'avait pas dit que c'était les pauvres funèbres, Borgno. Non. On a commencé le déménagement hier avec un corbillard, c'est discret, hein. La vieille machine à laver de ma maman qu'on ne s'en servait plus, qu'on avait gardée à la cave, hein, qui ne va plus. Bon, on s'est dit, on va pas l'emmener dans le déménagement, on va l'emmener, hein, au recyclage. Déjà mettre une machine à laver dans un corbillard, c'est là que tu vois que c'est pas conçu pour ça quand même, hein. Puis, dans le quartier, tout le monde commençait à s'inquiéter, les gens étaient aux fenêtres, on se demandait ce qui s'était passé à la maison, est-ce qu'il a un décès, d'autant qu'ils voyaient que tout était démonté, tout était tiré, hein. Donc, nous voilà avec la machine à laver, on avait sué des gouttes de chaud comme ça pour la mettre dedans, hein. Je me mets à côté de Gérard, dans le corbillard qui avait les clés pour aller la porter à la déchetterie, au recyclage. Il me dit, Arnaud, parce que mon copain m'a dit, je n'ai pas les assurances pour qu'il y ait un passager. Enfin, si, qui me dit, mets derrière et allonge. Mais quand même pas me mettre dans le buffet de ma salle à manger, hein, si. 20 kilomètres, hein, la déchetterie de chez nous autres, hein. À 5 à l'heure, fais le calcul. 4 heures derrière ma machine à laver. Allez! Ah, ben oui, c'était un petit peu maligne, t'anticipes, hein? 4 heures, retour, on sort de chez moi. Bon, tellement gêné, j'essaie de me donner une contenance, hein, pour me calmer surtout, hein. Il y a ma voisine qui me voit partir comme ça, qui arrive, parce qu'elle était à sa fenêtre, je la vois courir de la porte de sa cuisine, qu'elle me dit, ouh! Je ne savais pas qu'il était arrivé quelque chose à ta maman, qu'elle me dit. Je sais bien qu'elle n'était pas bien, mais je ne savais pas que ça s'était aggravé. Moi, je n'ai pas osé répondre, j'étais devant ma machine à laver. T'oserais dire à ta voisine, j'enterre ma machine à laver. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben c'est la pompe qui a lâché. Elle me dit, pourtant, elle avait une bonne résistance. Je dis, oui, oui. Elle faisait du diabète, j'ai dit, au moins elle faisait du calcaire. Elle ne comprenait rien, elle ne comprenait rien. Elle dit, oh. Et elle me dit, c'est au crématorium. Je dis, non, nous c'est au recyclage. Elle dit, ah, elle donne ses organes, je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais plus à m'en dépêtrer. Plus que je disais quelque chose, plus que je m'enfonçais. Ah oui, oui, oui. Heureusement qu'elle m'a dit, j'ai des chicots sur le feu, ils vont coller, je vais y aller. Je ne savais plus quoi lui dire. Je ne savais plus quoi lui dire. Franchement. Écoute, le lendemain, elle a fait porter des fleurs chez Vandenborg, hein? Ah ouais. Ça, Gérard, il m'énerve. C'est toujours des arrangements à la Gérard. Ça m'énerve! Oh! Et tout ce qu'il garde, tout ce qu'il garde là-dedans, c'est toutes des choses qu'il a gardées qu'on ne se resservira plus jamais. On ne s'en resservira plus jamais. Ça, pour ça, un déménagement, c'est bien. C'est l'occasion de te rendre compte que tu gardes des choses dont tu sais très bien que tu n'en auras plus jamais besoin ni envie. À commencer par Gérard, quand je le vois, d'ailleurs. Quand je le vois, je me dis, il y a des années, j'aurais dû le mettre aux encombrants, hein, mais... C'est vrai, hein, c'est toutes des choses que tu ne te sers pas. On a retrouvé le costume qu'il avait mis pour notre mariage. Il avait 22 ans, hein, moi 21, hein, donc... Il me dit, oh, t'as les civets trop chauds, il a rétréci. Comment il a rétréci? Je n'ai même pas le civet du tout. C'est vrai, écoute, tu le verrais maintenant. C'est pas compliqué, son costume de son mariage, tu dirais une maquette de ceux qu'il met maintenant. Le même, mais une maquette. Par contre, moi, quoi? Ben quoi? Je suis rentré dedans comme une fleur. Ma robe de mariée, comme au premier jour. Bon, quand je me suis marié, j'étais enceinte de 7 mois.
la famille est venue, ben, peu de temps après. On n'avait jamais osé dire à la famille que j'étais enceinte. On avait dit que je faisais de la rétention au dos. Je me souviens que ma belle-mère m'avait dit « c'est un barrage hydraulique ». Enfin bon, donc, deux mois après, la Nathalie qui s'annonce, elle est dans le Guinness Book des records comme la plus grande prématurée. On n'avait jamais osé dire que j'étais enceinte d'avant. On a dit que j'avais été enceinte la nuit. Non, deux mois, hein, ben, 7,5 kg. Hein. J'ai perdu mes os, je me souviens, je m'attendais pas à ça. J'ai perdu mes os un jour que je nettoyais. J'étais en train de nettoyer, ouais. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. M'en suis pas rendu... Ben non, parce que moi, je nettoie toujours à grand os. Et alors, j'avais jeté un seau d'eau. J'étais avec mon torchon ainsi. Hein. Et je perds mes os. Je ne m'en rends pas compte. J'étais comme ça, donc, hein. Donc. Et c'est un restaurant partout. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai plus d'eau dans mon seau maintenant que quand... Des affaires qu'on garde, qu'on ne se sert plus, qu'on ne se sert plus. Le magnétoscope. Le magnétoscope. Va mettre un DVD dans un magnétoscope. On a gardé le magnétoscope. Dis-moi pourquoi faire. Dis-moi pourquoi faire. Enfin, moi, je sais pourquoi est-ce qu'on a gardé le magnétoscope. Parce que, bon, il a 20 cassettes bloquées. Oui, je toi aussi. C'était, ben, moi aussi. Ah ouais, ben, moi aussi. C'est, il a une cassette bloquée dedans qu'on n'arrive plus à la voir. Et on ne savait plus ce que c'était dedans, donc on n'a jamais osé le porter à réparer. Ben, bon, alors Gérard dit, on ne va pas le jeter, on ne sait pas ce qu'il a dedans comme cassette. C'est peut-être aussi une cassette importante, donc on le tape un petit peu par terre. Il avait la vieille télévision de ma maman qu'on ne se servait plus dans le grenier. On le branche avec des fichiers assis malheureux maintenant. C'est incroyable, incroyable. Les fiches de TV qu'on avait à l'époque, ça se demandait si c'était pas au gaz. On le branche, on le met. C'était l'accouchement de Nathalie. Que Gérard avait filmé. Oui. Oh, ça m'a fait quelque chose. Franchement. Écoute, je n'avais jamais vu la cassette. Elle était bloquée. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça s'était débloqué. C'était l'accouchement de Nathalie. Où on appelle Nathalie. Viens voir ta naissance. Elle regarde. Ouh! Elle est partie en courant, elle m'a dit « Je ne ferai jamais d'enfant !» Elle a repris 4 fois sa pilule ce jour-là. Quand elle a vu ce que c'était, elle a dit « Jamais !» Alors quand j'ai vu l'effet que ça faisait de montrer l'accouchement d'une jeune fille 18-20 ans après, je me suis dit « Ça, c'est un beau truc. » S'il y a des gens parmi vous qui ont des jeunes filles en âge de faire des affaires, des bêtises comme ça, hein, tu n'es pas rassuré quand tu la vois sortir, tu n'es pas rassuré. Montre-lui la cassette de sa naissance, tu verras. Tu verras. Elle ne fera jamais une bêtise, jamais, jamais. Ah. Et si tu n'as pas filmé sa naissance, va chercher Alien le 1, dis-lui que c'était une césarienne. C'est des souvenirs, on ne va pas les jeter. Les photos qu'on a retrouvées. Wouh! Je dis, écoute, Gérard, une photo de notre mariage. Regarde, Gérard, tu n'es pas changé. Je pense bien, c'était mon beau-père, je l'avais pris. Il a la même tête que mon beau-père de maintenant, de l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Il était vexé, alors que moi. La même. Je n'ai pas changé, hein. Là-dessus, Gérard m'a dit, eh ben, tu te rends compte, il y a 20 ans, tu avais déjà la même tête. Ah ben, ouais. Je sais pas comment je devais le prendre, ça. Les photos de vacances, on cherchait après, on ne les retrouvait plus, on les a retrouvées. Enfin, les photos. Ah, à ce moment-là, monsieur ne faisait pas de la photo, c'était de la DIA. La DIA, on les a jamais vus, les DIA. On avait acheté un projecteur, il l'a prêté à son beau-frère, hein. Eh ben, oui, tu vois, juste avant qu'il divorce, c'est son beau-frère qui est parti avec le magnétoscope alors qu'il l'avait donné à sa sœur. Le magnétoscope, qu'est-ce que je raconte? Le projecteur, je recommence. Bon, ça va, tu m'as compris. Hein, bon. Heureusement, j'ai une bonne vue. À la lampe du grenier, j'avais pris un tiroir d'hier que j'avais ouvert comme ça au hasard pour regarder des photos de vacances. Je me dis, ouh, je regardais comme ça. Je dis, ouh. J'en prends une autre.
Je me dis, tiens, c'est bizarre. Écoute, il y a des moments où je me demande si je ne perds pas la tête non plus. Je ne me souvenais plus qu'on avait été en Angleterre. C'est pour te dire que, je dis, Gérard, on avait été en Angleterre, je ne me souviens plus. Il me dit, on n'a jamais été en Angleterre. Je lui dis, comment ça, on n'a jamais été en Angleterre? Je lui montre l'Adia, je dis, regarde, bah si, c'est l'Angleterre, regarde. Tout le monde roule à gauche, les volants sont à droite. Il me retourne l'Adia, il me dit, oh, non. J'ai été en Angleterre. Parce que c'est des gens spéciaux, hein. Ils sont pas comme nous autres, hein. Surtout pour conduire, hein, en voiture, hein. En Angleterre, il paraît que c'est le passager qui conduit. C'est vrai. C'est vrai. Si t'es tout seul, tu ne peux pas démarrer, il faut quelqu'un. Bah, ne ris pas, c'est comme ça, c'est en Angleterre. Ils mettent le volant de l'autre côté. Si t'es dans la personne, tu ne t'en vas nulle part, hein. C'est comme ça. Les photos, on a retrouvé des photos. À un moment, j'étais contente que Gérard soit descendu pour ranger le garage. Je suis retombée sur des photos de mon premier amour. Il faut le dire comme ça. Si je les avais cachées dans des vieilles culottes à moi, là, j'étais sûre que Gérard n'irait pas. Il y a longtemps que même dans les nouvelles qu'il n'a plus mis sa main. Et alors... Tu sais que ça sort tout seul, je ne m'en rends même pas compte. Des photos de mon premier amour, ça n'a pas pu se faire, mes parents n'étaient pas d'accord. Elio. Elio. Mes parents n'ont pas voulu parce que c'était un Italien. Il le regrettait, hein. Et on s'aimait bien, sais-tu? Franchement, on s'aimait bien. Je suis sûr qu'encore maintenant, il pense à moi. Et comme ce n'était pas possible, il m'a dit, écoute, si ce n'est pas possible avec toi, je m'engage en politique. Et je te promets qu'il n'y aura plus jamais une autre femme que toi. Autre femme que toi dans ma vie. Il n'a plus parole, hein. C'est comme l'autre, là. L'autre, à Buenos Aires. On l'a vu, la femme à Buenos Aires. Mais oui, que quand le pape a été élu, qu'on a été chez elle. Oh, cette femme-là, ça a dû lui faire un choc, hein. Vous imaginez cette femme-là, l'Argentine, là, à Buenos Aires, qui regarde la télévision, bah, comme nous autres, oh, on va avoir un pape. Elle ne sait pas, elle le regarde comme toi, que t'as regardé. Mais c'est Giorgio. Son premier amour. Comme moi, tout comme moi, ses parents n'avaient pas voulu parce qu'il n'était pas assez bien pour elle. Ah ouais, ben maintenant, ah, elle le regrette, hein. Ah, si elle était restée avec lui. Ah, aujourd'hui, c'est la femme du pape. Vraiment très heureux de vous retrouver dans ce nouvel endroit. Alors, comme vous l'avez vu, on n'est pas encore tout à fait installé, mais la prochaine fois, il y aura enfin notre vrai grand décor pour vous accueillir ici dans cette salle du village à Bruxelles. Alors, si vous qui nous regardez quelque part chez vous avez envie aussi de venir faire la fête avec nous, réservez vos places parce que il y en a, mais c'est pas extensible. Donc, vous allez sur le Facebook. François Pirette, en vrai. Oui, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents.
il y a des profils Facebook qui s'appellent comme moi. Donc, depuis, j'en ai fait un qui s'appelle En Vrai, pour être certain qu'on pense bien que c'est moi. Depuis, il y en a quand même un qui a créé un Facebook François Pirette, Le Vrai. Il y a quand même des petits comiques partout. Donc, vous allez sur le Facebook François Pirette En Vrai. Et la prochaine fois, ben, on se retrouvera ici devant un nouveau décor. Le décor n'est pas dans les cartons qui se trouvent là. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le faire croire. Dans la plupart des cartons qui se trouvent là, il y a 30 ans de souvenirs que nous avons partagés ensemble, puisque depuis le mois de janvier, pour les plus anciens d'entre vous, il y a 30 ans qu'on se connaît. Il y a plein de souvenirs dans les cartons et il y a surtout encore beaucoup de cartons vides parce que j'ai bien l'intention que des souvenirs, on s'en refasse encore au moins pendant 30 ans. Donc c'est prêt. Le personnage en bigoudi avec lequel on s'amuse depuis quelques années, je ne l'ai pas créé il y a 30 ans, je l'ai créé il y a 18 ans maintenant. Et ce personnage n'a jamais eu de nom. On m'a parfois demandé pourquoi et aujourd'hui je vais vous le dire. C'est parce que, oh il y en a beaucoup qui s'en doutent depuis, c'est que ce personnage m'a été beaucoup inspiré par ma maman. Ma maman, il y a 3 semaines, à l'occasion de mon anniversaire, vous l'avez vu en couverture du Ciné-Télé-Revue, même Michel Drucker en a parlé dans son émission, alors que moi, je ne l'ai jamais vraiment fait dans la mienne, il fallait que je répare ça. Si on s'amuse avec ce personnage, c'est parce que j'ai beaucoup appris à rire avec ma famille et surtout avec ma maman. Et bonne soirée! Maintenant, nous allons faire les B. Les B. B. Je préviens que pour le W, c'est difficile. Mes frères, en entrant solennellement dans la chapelle Sixtine, je m'engage devant Dieu à couper mon GSM, à n'envoyer aucun SMS, ni fax, ni lettre recommandée avec accusé de réception, ni tweet, ni email, ni signaux de fumée. Amen. Oui, bah oui. Erratum de l'article A, les signaux de fumée, on peut.
Je jure solennellement devant Dieu d'élire notre futur pape, notre souverain pontife. Je jure solennellement devant Dieu d'élire notre futur pape, notre souverain pontife, en âme et conscience et en liberté de pensée, en faisant abstraction de sa nationalité, de sa race, de sa couleur de peau, de son âge, de sa religion, et même de son sexe. Je jure solennellement devant Dieu que si je suis élu pape, j'accepterai ma charge stoïquement, sans rechigner. Et je promets de ne pas m'enfuir en courant et en disant « Mais oh, s'il vous plaît, je vous en prie, pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai rien fait au bon Dieu. Je préfère encore devenir bouddhiste, ou musulman, ou socialiste. Mais je ne veux pas être ça. » La chapelle Sixtine, c'est ici qu'on s'isole pour envoyer l'un de nous sous la coupole. La chapelle Sixtine, c'est ici qu'on s'y colle. Sur 115, 114 au rond du pôle. Disparu Jean-Paul II et l'autre Jean-Paul, et Jean 23, puis 12, Paul 6. Idem, sœur Emmanuel, mère Teresa, mais chez nous les filles, ça ne compte pas. La chapelle Sixtine est blinquée aussi dolle. Quand on sort les vieux prélats du formol, la chapelle Sixtine, c'est pas là qu'on rigole. On s'envoie des tweets qui se terminent par lol. Démissionné Benoît XVI, sans balle les mules, savoir dans sa chaise qui fera des mules. Enfermé en plein mois de mars dans une chapelle, tu parles d'une farce, mais qu'est-ce qu'on se les belle. On a intérêt à faire vite pour faire notre choix, sinon la grippe s'en chargera. Dommage qu'il n'y ait pas de papa Billy de 24 ans, on serait tranquillé pour très longtemps. La chapelle Sixtine, c'est ici qu'on s'isole pour envoyer l'un de nous sous la coupole. La chapelle Sixtine, c'est ici qu'on s'y colle. 115, 114 au rond du bol. Oh, ça
Ça fait facilement un an qu'on ne t'a pas vu. Oh, je ne sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas longtemps, dans le journal, on a parlé du home. Où est-ce que je suis? Vous n'avez pas vu? Ah, oh, ils ont dit que c'était formidable, que ça n'arrivait pas souvent, que c'était un événement assez rare. On a eu un mariage. Bah quoi? Et alors? Non, ce sont des gens qui se sont rencontrés ici au home en arrivant. Le coup de foudre. Et on les a mariés ici. Et on en a parlé parce que c'était un mariage gay. Et alors, il n'y a pas de quoi rire. C'était bien. Deux camarades à moi qui sont mariés ici, en se rencontrant, il n'y a pas longtemps, finalement. Hein. Je n'ai jamais su pourquoi on appelait ça un mariage gay jusqu'à ce jour-là. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? Oh! Il y avait longtemps que je ne m'étais plus amusé comme ça. Je comprends qu'on appelle ça ainsi. Oh, mais que c'était bien. C'est vrai, c'est-tu? Oh, un mariage gay. Ah. En plus, il y a des avantages à un mariage entre deux hommes, c'est que tu as deux enterrements de vie de garçon dans la même semaine. Deux enterrements de vie de garçon dans la même semaine. Enfin, tu me diras ici, oh, oh, hein. C'est quand même assez souvent qu'on va à deux enterrements dans la même semaine, mais généralement, on ne se déguise pas. Tu ne me verras jamais au cimetière, en vie en infirmière, oh, je trompette, hein. Écoute, on s'est bien amusé. En plus, c'était bien parce que, comme il y en avait un des deux qui n'était pas bien portant, ils ont accepté de faire le mariage ici au home. Oui. Il a un secrétaire communal qui est venu, qui les a mariés, et un curé qui a dit, je ne dirai rien à mes supérieurs, moi, je suis beaucoup plus ouvert, et on a eu le curé, et il est venu les bénir. Franchement, c'était émouvant. Surtout quand il a dit, à la fin, vous pouvez embrasser le marié. Il y a eu un malaise parce qu'aucun des deux ne savait à qui ça s'adressait. Ils sont restés à se regarder comme ça 10 minutes. À un moment, ils ont dit, bon, il faut y aller. Et après, évidemment, on a eu un petit repas, la fête. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, évidemment, quand ils ont eu ouvert le bal, après, chacun a dû danser avec la mariée. Ça, je ne m'y attendais pas quand même. Ah, j'ai dû aller faire une danse avec Marcel. Moi, j'ai choisi celui que j'étais plus camarade avec. J'étais plus à l'aise. Hein, donc, j'ai dansé avec, à condition que ce soit moi qui conduis. Hein, parce que... Ah ouais, donc c'était moi qui conduisais. Hein, et Marcel, il était tout content. Il me dit, Amédée, ça va? Je dis, ben oui, je passe un bon moment. Ben oui, enfin, je veux dire, en général, la journée. Pas nécessairement maintenant, mais je passe un bon moment, je lui dis. Je ne m'y attendais pas, mais c'est agréable. Hein, je veux dire, tu n'es pas gêné? Non. Et tu sais, je lui dis, ce n'est pas la première fois que je danse avec un homme. Ah bon, qui me dit, oui. Enfin, il y a longtemps que je lui dis, quand j'avais 18, 19 ans, j'ai dansé plus souvent qu'à mon tour avec des hommes. Ah, j'étais homosexuel. Je dis, non, j'étais prisonnier. Ça n'en finissait plus, hein, parce que malheureusement pour moi, j'étais tombé sur Hotel California. 14 minutes. Et après, avec son mari, j'ai dû danser sur l'été indien. 24 minutes de slow. Oh, ben, ça nous a donné l'occasion de parler. Il m'a dit, ça va, tu n'as pas été choqué que je me marie avec José? J'ai dit, non, j'ai dit, écoute, de toute façon, je lui dis, avec les femmes qui sont ici, à ta place, j'aurais choisi le même. Donc, quoi? Il y en a qu'au plus de barbe, hein? Et tu ne te doutais de rien? Je dis, non, on ne s'était jamais douté de rien. Il me dit, ça fait quand même 2 ans qu'on dort dans la même chambre. Il me dit, oh, évidemment, je dis, si c'est un home du CPS, on est à 2 par chambre. Je dis, à ce moment-là, on est tous pédés. Je dis, ah, c'est vrai, on parle parfois de la surpopulation carcérale. Nous, qu'à venir au home, ben, ils verront ce que c'est, hein, parce que, en prison, au moins, ils ont des lits superposés. Ici, c'est nous qu'on superpose dans les lits. Bon, attends. Et tu ne te doutais de rien. Je ne me doutais de rien, Marcel. Je ne me doutais de rien. Je m'étais même dit que vous étiez tellement complice que c'était parce que vous aviez la même date d'anniversaire que je m'étais dit. Je dis, comment ça? Et oui, je pensais que vous étiez nés tous les deux le 14 février. Je dis, ah, bon, oui.
Parce que chaque année au réfectoire, vous voyez bien échanger un petit cadeau. Je me suis dit, oh, si ça se trouve, ils sont nés le même jour. J'ai jamais pensé que c'était pour la Saint-Valentin, moi. Il me dit, n'empêche qu'un jour, t'as failli nous surprendre. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu te souviens que tu cherchais un quatrième pour jouer à la manie? Oui. T'es rentré sans frapper. Oui, on était en train de s'embrasser. Mais on t'avait entendu arriver. Hop, tu n'as pas vu qu'on faisait une drôle de tête. Je dis, si, c'est parce qu'on a été tellement surpris en se décollant, on s'était échangé nos dents, on l'avait pas vu. Écoute, Marcel, ça ne me regarde pas. Tout ça sur Hôtel California. Hein. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Je dis, écoute, Marcel, je vais te poser une question. Si ça ne me regarde pas, tu me réponds si tu veux. Pourquoi est-ce que vous vous êtes marié? Vous n'étiez pas bien comme ça? Il me dit, parce qu'on voulait adopter une petite fille. Oui. Si, si, si. Il y a ton âge. Je dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais finalement, on va essayer plutôt d'adopter une arrière petite fille. Mais c'est pas facile. Qu'il me dit, il faut trouver une grand-mère porteuse. On a essayé d'adopter une petite chinoise, mais même en Chine, c'est de plus en plus difficile, surtout si on veut une gamine de 65 ans. C'est sur dossier, ça prend des années, et si ça se trouve, on n'aura pas le temps d'attendre. Si on attend que le dossier aboutisse, la gamine sera orpheline avant d'être adoptée. Vous ne croyez pas si bien dire, le pauvre Marcel. Trois semaines plus tard, José était parti. Oui. Ah oui, ah, c'est un mariage gay, mais c'est un enterrement triste. Hein? Oui. Oh, ça nous a fait quelque chose. À vous aussi, d'ailleurs, je l'ai vu. Ouais. Oh, quel enterrement que c'était. On était tous serrés, hein. Pourtant, on a l'habitude. Hein. J'ai été le voir après. Je lui ai dit, ça va, Marcel? J'ai du mal. Ça se voit. J'ai dit, écoute, toutes mes condoléances pour ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il dit, c'était pas mon mari. Il me dit, comment ça? Il dit, écoute, il me dit, tu es mon meilleur camarade. Je ne peux pas garder tout ça pour moi. À toi, je vais le dire, mais à condition que tu ne dises rien à personne. Je dis, vas-y. C'était pas mon mari, c'était pas un vrai mariage. Il dit, comment ça? Ben, attends, allez, j'étais là, on a dansé à Hôtel California. Il dit, ça oui, il dit, mais c'était pas un vrai curé. C'était pas un vrai secrétaire communal. Oh là, tu me l'inventes. Non! Secrétaire communal. Oh, ça, camarade, que quand je faisais du théâtre amateur, ça, comédien, que j'ai retrouvé dans un autre home, qui est venu, parce que personne ne le connaissait. Ah bon? Oui. Et le curé? C'est celui qui fait Saint-Nicolas ici chaque année, tu ne sais pas. C'est le concierge de l'école communale. Je ne l'avais pas reconnu. Pourtant, c'est le même costume. Il n'avait pas mis la barbe et le machin et le truc. Il avait le même costume. C'était le costume de Saint-Nicolas. On ne l'avait pas reconnu. Ah bon? Ah oui, c'est un faux mariage, qui me dit. Oh, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait un faux mariage. Il me dit, tu sais, je savais que José n'en avait plus pour longtemps, on le savait bien tous les deux. Et on s'était promis de se marier, mais on savait qu'avec les papiers, ça allait durer trop longtemps. On avait peur qu'il parte avant. On a bien fait. On a bien fait. Parce qu'on avait peur que si on n'avait pas été mariés, on nous refuse d'être enterrés plus tard, tous les deux, dans le même caveau. Ah bon? Ben oui. On n'enterre pas deux hommes dans le même caveau s'ils ne sont pas mariés. Il n'y avait jamais pensé, je lui dis. Il dit, c'est pour ça. Et puis, il me dit, deux hommes enterrés ensemble et qui reposeraient pour l'éternité sans être mariés, j'avais peur que ça me fasse jaser. Et il s'est mis comme ça contre moi et il a pleuré pendant un quart d'heure. Et je lui ai dit, tu sais, Marcel, t'es peut-être un faux mari, mais t'es un vrai veuf.
Bon alors, les quatrièmes de l'Athénée Adolphe Max, là. Je suppose que vous avez fini par vous en rendre compte par vous-même. Ça fait maintenant à peu près 36 heures que cet autocar n'a pas bougé d'un pouce. Je viens d'en parler avec le chauffeur et avec vos trois autres professeurs. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je crains qu'on ne soit bloqué. Alors, il va falloir s'organiser. Comme à mon avis, ça fait déjà bientôt deux jours qu'on est là et qu'on n'est pas prêt à repartir, une question s'impose, soyez attentifs, je ne la poserai pas deux fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui doivent aller à la toilette? Non, pas tout le monde en même temps, pas tout le monde en même temps. C'est toujours les mêmes. On a à peine roulé 70 km que vous êtes déjà tous impatients d'aller faire pipine. Allez, chacun son tour. Dites, hé hey, là, oh, les vedettes de la banquette arrière, là. Quand tu auras fini de faire des grimaces au chauffeur du camion, tu me le diras. Oui, ben, cette nuit, quand il a voulu défoncer la porte de l'autocar au pied de biche, heureusement que je parlais le hongrois, hein. Et que j'avais 200 euros sur moi. Bon, hé, toi, ça va, hein. Bon, ça commence à bien faire, hein. Oui, tu me sors encore une fois, tombe la neige, on n'arrivera pas ce soir, hein. Tu auras ma main ailleurs que sur tes hanches, hein. Bon, alors... Y a-t-il des questions? Comment? Ah non, c'est à Paris, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Le Louvre aussi, parce que si tu veux, c'est à Paris. Donc si on ne va pas à Paris, on ne va pas... ben, la Joconde, tu la verras une autre fois, ça va. Et puis, de toute façon, Michel-Ange a fait des choses beaucoup plus intéressantes que la Joconde. Je trouve que la Joconde de Michel-Ange, c'est quand même un peu surfait. Hein. Si tu aimes Michel-Ange, tu vas à Bruxelles, il y en a, hein. Ça va. Ruben, c'est la même chose, hein. Ne viens pas faire ton intéressant ici, hein. Ça va. Bon, oui, et en parlant d'art moderne, quand tu auras fini de dessiner des insanités dans la buée sur la vitre de l'autocar, oui, c'est ça, ben voilà. Et une grosse bite de plus, hein, oui. C'est pas une grosse bite, sans doute, c'est quoi? Ah oui, monsieur le directeur, je l'avais pas connu. Mais de profil, alors, hein? Bon, comme je vois que vous ennuyez maintenant, qu'évidemment, tous vos iPhones, vos iPads, vos iPods sont déchargés, hein, on ne sait plus quoi faire... Je vais vous occuper un moment. Vous prenez une feuille de papier. Un big, tout le monde. Allez. Vous rabaissez la tablette devant vous. Voilà. Mettez votre nom. Très lisiblement le nom, c'est important. La date. Et vous m'écrivez une lettre d'adieu à vos parents. C'est un exercice de style. Quoi? Ça ne vous plaît pas? Ça ne vous plaît pas? Très bien. Eh bien, je vous ai préparé un petit exercice surprise et ça comptera pour la fin de l'année. Vous avez sorti vos papiers au crayon? Je dicte. Problème. Étant donné un autocar bloqué dans la neige depuis 3 mois, avec à son bord 59 adolescents, dont 6 adultes, à savoir 2 chauffeurs, 3 enseignants et 1 prof de gym. Sachant que chaque élève a un poids moyen de 35 kilos. Ah si, je t'assure. Ah si, si. Même toi, après 3 mois, je peux dire tu fais 35 kilos. Et tu n'es pas parmi les plus minces. Hein? Un poids moyen de 35 kilos. Et que le plus faible mourra en premier... Sachant que par esprit de conservation et par instinct de survie, les autres le dévoreront aussitôt, et ainsi de suite. Calculez combien de temps pourront survivre les 3 derniers. Et question subsidiaire, essayez de deviner leur nom. Alors, attention, il y a un petit piège, hein, pour pimenter un peu le problème. Sachez que dans les 59, il y a 4 végétariens, 2 musulmans... Et que les professeurs peuvent se servir 2 fois. Je vous laisse réfléchir, je réponds à la caméra d'RTL. Vous êtes d'RTL, c'est ça? Non, parce que je vous ai vu avec votre voiture rouge arriver. De loin, j'ai vu une voiture rouge, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas les pompiers. Ils ont dit qu'aucun véhicule ne pouvait passer. C'est RTL. Ça se passe bien, oui.
on a la situation en main. Ça va, hein. Surtout rassurer les parents. On est en bonne santé. Jusqu'ici, ça devrait aller. Hein. Normalement, on devrait être rentré pour les examens. J'espère, sinon ils vont devoir recommencer leur quatrième. Ce serait vraiment pas de chance, quoi. Tout le monde a eu à manger, hein. Bon, des chips et des sneakers, hein. Ouais, ils vont quand même pas se plaindre. De toute façon, ils ne bouffent que ça toute l'année. Hein. Voilà, donc rassurez les parents, on a la situation en main. Je peux passer un message à ma femme, parce que mon GSM est déchargé et on peut plus rebrancher, il n'a plus de batterie. Chou, si tu m'entends, va vite chez ton frère, prends les clés de son 4x4, viens vite me rechercher, on va crever ici. La nuit passée, il faisait moins 13. Moins 13, j'en pouvais plus. J'ai dû dormir avec 3 élèves sur moi. J'ai dû dormir avec 3 élèves sur moi tellement que je grelottais. T'en prie, ne me laisse pas crever ici. T'en prie, viens me rechercher. Je te promets que si j'en sors vivant quand je rentre à la maison, j'arrête l'enseignement. Quitte à trouver du travail. Oui, je patiente. Enfin, pas trop longtemps quand même. Alors, comment? Oui, je suis toujours là. Je m'en étonne parfois, mais je suis toujours là. Je patiente. De toute façon, ça fait 15 ans que je suis patient chronique, alors j'attends. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Allô? Ah, bonjour, madame le juge. Oui, c'est encore moi, si vous voulez, oui. Oh ben oui, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Enfin, ça fait quand même 3 ans la dernière fois, hein. Excusez-moi. Oui, voilà, je vous appelle. Je sais bien que ce n'est pas dans les usages, que normalement je devrais passer par mon avocat. Et je ne manque pas d'air, oui, si vous voulez. Mais c'est parce que, voilà pourquoi je me permets de vous déranger. C'est parce qu'on a appris par notre avocat que l'audience de jeudi prochain est reportée dans 2 ans. C'est assez embêtant parce que j'ai appris que c'était un mardi. Et justement, le mardi, c'est le jour de mes rayons. Oui, j'aurais tellement voulu venir à la barre pour crier mon indignation, mais un mardi, c'est pas possible, j'ai mes rayons. Comment? Ah oui, c'est la barre ou les rayons. Oui. Non, mais ne déplacez pas l'audience pour moi. En plus, dans 2 ans, si ça se trouve, ça ne servira à rien. Je vous aurai dérangé pour pas grand-chose. Ah non, je suis resté optimiste, ne vous inquiétez pas. Enfin, les yaourts, je ne les achète plus jamais que par 2. Enfin, de temps en temps, quand il y a une promotion, je me dis, allez, une folie, j'en prends 4. Je sais qu'avec un poumon, on peut faire de grandes choses, hein. Avec un poumon, on peut très bien devenir pape. Mais sans poumon, on peut juste devenir mort, quoi. Comment? Allez vous rencontrer, je ne peux pas à cause de mon traitement. Ma femme peut aller,
Ça oui, ma femme peut y aller. C'est gentil. Elle peut aller à ma place. Ah, un rendez-vous quand vous voulez. Hein. De toute façon, elle se débrouille. Comment? Le 1er novembre de cette année. Je crains que cette année à la Toussaint soit très occupée. Non, mais c'est pas grave. Ne vous dérangez pas. Au fait, madame le juge, je me demandais, ça fait longtemps que vous travaillez au tribunal. 20 ans que vous travaillez là tous les jours. 20 ans, depuis l'inauguration alors. Ah si, je connais bien le tribunal, j'y ai travaillé. Ouais. C'est moi qui ai fait tous les flocages, l'isolation et tous les faux plafonds. Je me disais, si jamais le procès de l'amiante dure encore longtemps, c'est vous qui allez avoir des problèmes, parce que même pour vous, ça va être difficile d'être à la fois juge et parti. Deux cardinaux autour d'un brasero se disputaient entre eux comme de gros nigauds, parce qu'aucun d'eux n'avait pris ni de briquet ni d'allumette sur lui. J'ai pas de briquet, c'est la cata, Spiritus Sancti, please, aidez-moi, car sans feu de fumée y'en a pas. Pas de vieux en jupon sortant sur le balcon, pas de blanche soutane, pas d'abémus, pas pomme. Mais Gottferdum, 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 Gottferdum. T'as du feu, t'as du feu, du feu, les allumettes, à briquet. Trois cardinaux autour d'un brasero se disputaient entre eux comme trois vieux nigauds, parce qu'aucun d'eux n'avait pris ni de briquet ni d'allumette sur lui. Oh, j'ai pas de briquet, c'est la cata, Spiritus Sancti, please, aidez-moi, car sans feu de fumée y en a pas. Pas de vieux en jupon sortant sur le balcon, pas de blanche soutane, pas d'abémus, pas pas. Mais Gottferdum, 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 mais Gottferdum, Gottferdum. Je ne fume plus depuis Jean 23 que je ne fume plus. Quatre cardinaux, on en a 115, hein, autour d'un brasero, disputaient entre eux comme quatre vieux nigauds, car aucun d'eux n'avait pris, à vous, ni briquet, ni d'allumette sur lui. J'ai pas de briquet, c'est la cata, Spiritus Sancti, please, aidez-moi, car sans feu de fumée y en a pas. Pas de vieux en jupon sortant sur le balcon, pas de blanche soutane, pas d'abémus, pas pomme. Gottferdum, on en a encore pour 42 minutes. 115 cardinaux. T'as pas de feu, toi? T'as du feu? T'as du feu? Hey, t'as du feu? Du feu? Du feu? Dis-moi, me dis pas que t'as pas de feu. Cinq cardinaux autour d'un brasero se disputaient entre eux comme cinq vieux nigauds, parce qu'aucun d'eux n'avait pris, à vous, ni briquet, ni d'allumette sur lui. On va faire un tube. Y'a pas de briquet, c'est la cata, ouf-ti, 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 aïe, 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 car sans feu de fumée,
mais il n'y en a pas à vous, pas de vieux en jupon sortant sur le balcon, pas de je soutane, pas d'abbé, vous pas pas, mais God ferdou, 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 God ferdou. Ah, t'as du feu, t'as du feu. Toi, t'as une tête à mais des gros comme ça. Six cardinaux autour d'un brasero se disputaient entre eux comme si vieux nigauds, car aucun d'eux n'avait pris. Oh, j'ai pas de briquet, wow, c'est la catarée. Pire et tout s'antiplique, aidez-moi car sans feu de fumée, il n'y en a pas. Pas de vieux en jupon, sortant sur le balcon. Pas de blanc se soutane, pas d'abbé, tous pas, pas. Attention, attention, changement de voix. Le train ici en provenance de Gank, inter destination de Namur Namen, initialement annoncé voie 4 spour Vire, arrivera finalement voie 8 spour Acht. Je répète, le train IC en provenance de Gank, inter destination de Namur Namen, initialement annoncé voie 4 spour Vire, arrivera finalement voie 8 spour Acht. Attention, attention, changement de voie. Le train hier en provenance de Ostende, Ostende et à destination de Saint-Guilain, Saint-Guilain, initialement en voie 8 Acht, arrivera dorénavant en voie 6 Sports-S. Puisque le train ici en provenance de Gank, et à destination de Namur-Namen, initialement annoncé voie 4 Sports-Vire, arrivera finalement en voie 8 Sports-Acht, et que le train hier en provenance de Ostende, Ostende et à destination de Saint-Guilain, Saint-Guilain, devra du coup lui faire de la place. Attention, attention, changement de voie. Le train IC hier en provenance de Liège, Leuc, et à destination de Tournai, de Rnik, initialement annoncé voie 6 spour Zès, arrivera dorénavant voie 3 spour Dri, puisque le train IR en provenance de Ostende, Ostende, et à destination de Saint-Guilain, initialement annoncé voie 8 spour Acht, doit maintenant arriver voie 6 spour Zès, du fait que le train IC en provenance de Gank, et à destination de Namur, Namen, initialement annoncé voie 4 spour Vire, arrivera voie 8 spour Acht, et que par conséquent, le train IR en provenance de Ostende, Ostende et à destination de Saint-Guilain-Saint-Guislain, qui doit lui faire de la place, arrivera pour sa part voie 6, spour Zès, où était attendu le train de Liège-Leuc et à destination de Tournai-Dornic, lui-même dorénavant annoncé voie 3, spour Dri. Attention, attention, changement de voie. Le train international, quoi qu'il y ait plus que celui-là, en provenance de Cologne-Kuln, et à destination de Moukoum-Mouskroun, annoncé voie 3 pour Dri, arrivera voie 8 pour Acht, en raison du changement de voie du train IC hier en provenance de Liège-Leuc, à destination de Tournai-Dornic, initialement annoncé voie 6 pour Zès, et qui doit maintenant arriver voie 3 pour Dri, puisque le train hier en provenance de Ostende-Ostende, et à destination de Saint-Guilain-Ling, initialement annoncé voie 8 pour Acht. Oh, pardon. Est obligé de le chasser de la voie 6 spour Zès du fait que le train IC en provenance de Gank, inter destination de Namur Namen, initialement annoncé voie 4 spour Vire, arrivera lui voie 8 spour Acht.
et que par conséquent, le train IR en provenance de Ostende, Ostende et à destination de Saint-Guilain, qui doit lui faire de la place, arrivera lui, voici ce sport où était attendu le train ICIR en provenance de Liège-Leuc et à destination de Tournai d'Ornic, lui-même annoncé voie 3 sport Dri, où le train international en provenance de Cologne-Kuhn et à destination de Moukron-Skroun ne peut donc plus s'arrêter et sera dorénavant attendu voie 8 sport Acht. Attention, attention, changement de voie, je le dirai plus. Le changement de voie du train IC en provenance de Gand, Ghent et en destination de Namur, Namen, attendu dorénavant voie 8 spor 8, alors qu'initialement annoncé voie 4 spor Vire, ne pourra finalement pas avoir lieu, puisque le train international en provenance de Cologne-Kuhn, encore lui, et en destination de Moukroun, chassé de la voie 3 spor Dri, en raison du changement de voie du train IC en provenance de Liège-Leuc et en destination de Tournai d'Ornic, initialement annoncé voie 6 spor Zes, et qui devait alors arriver voie 3 spor Dri, puisque le train IR en provenance de Ostende, Ostende, et à destination de Saint-Guilain, initialement annoncé voie 8 spor 8, était obligé de le chasser de la voie 6 spor Zes, du fait que le train IC en provenance de Gorgent et à destination de Namur-Namen, initialement annoncé voie 4 spor Vire, changeait de voie puisque par conséquent le train IR en provenance de Ostende et à destination de Saint-Guilain, devait lui faire de la place en arrivant voie 6 spor Zes, où était attendu le train IC IR en provenance de Liège-Leuc, à destination de Tournai d'Ornic, lui-même annoncé voie 3 spor Dri, et maintenant lui aussi attendu voie 8 spor 8. Donc, attention! Parce que du coup, si vous avez été attentif, parce que vous pouvez l'enregistrer chez vous, leur passer au ralenti, ce que je dis là, tient la route, hein! Le changement de voie du train IC en provenance de Gand, et à destination de Namur, Namen, attendu dorénavant voie 8 spor 8, alors qu'initialement annoncé voie 4 spor Vire, est annulé! Puisque ce train est donc maintenant à nouveau attendu, voie 4 spor Vire comme prévu depuis le début, vous auriez dû le savoir si vous aviez écouté. Tout comme le train IR en provenance de Ostende, Ostende, à destination de Saint-Guilain-Singisling, qui repasse de la voie 6 spor Zes à la voie 8 spor 8. Le train IC IR en provenance de Liège-Leuc, à destination de Tournai d'Ornic, revenant lui à la voie 6 spor Zes, et permettant ainsi au train international à destination de Moukron-Skroun, et en provenance de Kuhn, Cologne, de repasser de la voie 8 spor 8, de la voie 3 spor Dri, et ainsi revenir exactement comme c'était depuis le début. Autrement dit, on ne change rien! Allez. Changement de service. Attention, attention. Changement de voix. Et ça pour un changement de voix, c'est un changement de voix. Reprends l'antenne ici en direct de la place Saint-Pierre de Rome, où semble-t-il une agitation fébrile anime tout à coup les gardes suisses du Vatican. C'est un grand moment que nous vivons là. Bien le voilà! Le voilà qui s'approche! Oh, c'est une grande surprise, puisqu'il s'agit d'un Argentin! Oh, c'est un outsider qui l'emporte! C'est le nouveau chef de l'Église catholique, et bien oui, voilà, c'est François, on me dit que c'est François Ier, casaque blanche, culotte blanche et calot blanc qui l'emporte. C'est une surprise, Michel, car est inutile de vous le rappeler qu'il s'agit d'un outsider qui remporte la course. Rappelons d'ailleurs que la maman de François, âgée de 95 ans, a toujours bon pied bon oeil, qu'elle vit dans la banlieue de Buenos Aires, et qu'elle doit être bien fière, la maman, de voir son fils ainsi acclamé par la foule en liesse. Je vous laisse savourer ce grand moment de l'histoire du Vatican. Habemus moi-même. Je vous demande de prier pour moi.
car moi, je n'ai même plus le temps. J'ai une annonce importante à vous faire. J'ai un billet d'avion retour Rome-Buenos Aires à vendre. Première classe, moitié prix. Alléluia! Allez en paix dans la joie du Seigneur! Voilà, le nouveau pape va maintenant se retirer seul dans le secret de son nouveau bureau où, comme le veut la tradition, il va pouvoir prendre connaissance du document secret que seul le pape peut lire puisqu'il s'agit de ce parchemin sacré rédigé, paraît-il, de la main même de Saint-Pierre et que seuls les papes se transmettent de génération en génération. Je vous rappelle qu'aucun prélat, à part le pape, lors de sa prise de fonction, n'a jamais pu lire le document mystique, sorte de code secret qui permet d'appréhender totalement le mystère de Dieu et ainsi d'être en totale communion avec lui. C'est ici que se termine cette édition spéciale. Ici Rome, le Vatican, à vous les studios. Oh. Oh. Ah, Seigneur, je ne me suis jamais senti aussi proche de toi. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Voici donc le parchemin secret, écrit de la main de Saint-Pierre. Oh! L'instant est solennel. Pierre, c'est écrit, Pierre. Message de Pierre à mes successeurs. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de Dieu parce que le livre dont je suis l'éditeur pour la Judée et qui raconte les exploits d'un jeune magicien nommé Jésus ne se vendait pas. Jusqu'à ce que j'eus l'idée de faire circuler la rumeur qu'il avait été dicté par la voix de Dieu soi-même à ses quatre côtes. À dater de ces jours, nous en avons vendu des milliers. Les gens sont naïfs. Pour preuve, si tu es en train de lire ces lignes, c'est que toi aussi as cru à cet énorme canular dont je ne suis pas peu fier. Je comprends ta déception, mais garde le secret et tu verras que toi et les tiens n'auront jamais faim ni froid. Une bonne histoire, ça se vendra toujours. Sans rancune et bonne chance, Pierre. Post-scriptum. Ça se vend tellement bien que je prépare une version en hébreu et une en arabe. Allô? Oui, c'est le Saint-Père, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Comment? Le grand rabbin de Jérusalem, oui, passez-le-moi, oui. Allô, grand rabbin?
Ah, merci pour les félicitations, c'est gentil, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Oh, grand rabbin, j'ai une question qui va vous paraître un peu étrange. Lorsque vous avez pris vos fonctions à Jérusalem, est-ce que vous avez été mis au courant de l'existence de Dieu? Ne riez pas comme ça, moi je ne savais pas. C'est terrible. Oui, nous en reparlerons une prochaine fois, oui. Merci, merci grand rabbin, mais j'ai un double appel. J'ai un double appel. Merci, à vous aussi, bon courage, bon courage. Oui. Allô? Oh, maman! Oui, tu m'as vu à la télévision, oui, je suis le pape. Ton fils, c'est le pape. Oui. Maman, 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 ne m'appelle pas. Saint-Père, tu es mon saint maternel, tu ne vas pas m'appeler Saint-Père. Maman, tu tombes bien. Souviens-toi, lorsque j'étais petit, c'est toi ou c'est papa qui m'avait inscrit au catéchisme? C'est toi? Je te dis pas merci, maman. Quand je pense que tu m'interdisais d'aller à la natation sous prétexte que c'était la même heure que la messe. Résultat, j'ai 75 ans, je sais même pas nager. Et Teresa, la belle Teresa, finalement, elle a épousé le pharmacien. Je te dis pas merci, maman, je te laisse. Je te laisse, j'ai du travail. 75 ans et toujours puceau. Moi qui critiquais Benoît XVI parce qu'il avait démissionné. Je comprends ce qu'il savait, le pauvre. Mais je ne mourrais pas idiot. Je ne serais pas ridicule à la face du monde. Je laisse le soin à mon successeur de prendre la responsabilité de révéler le grand secret. Moi, je n'en ai pas le courage. Et puis, j'ai tant de choses à rattraper. Ouh. Allô? Le secrétariat? C'est le Saint-Père. Oui, dites-moi, mon fils, est-ce que vous avez gardé le dossier de candidature de cette stagiaire américaine qui m'avait été recommandée par Bill Clinton? Et qui voulait travailler dans mon bureau, vous pouvez l'appeler, elle commence demain. Parce qu'après tout, si Dieu n'existe pas, alors la vie est belle. We'll be right back.